Eh bien salut tout le monde, c'est Zenke, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de cartes Yu-Gi-Oh! Et aujourd'hui on va s'ouvrir le deck de structure Lien Cybers. Si je dis pas de conneries, c'est le deuxième deck avec des monstres liens qui est sorti. Le premier étant le deck de démarrage que j'ai déjà ouvert sur la chaîne. Donc derrière on a un petit aperçu de la liste des cartes et du tapis de jeu, tout ça. Bon, je viens déjà d'ouvrir légèrement le deck parce que je me suis un petit peu fail, mais bon c'est pas grave. Hop, attendez, parce que j'aime pas du tout comment ils s'ouvrent les decks maintenant. Je trouve que c'est pas du tout pratique. Et voilà, allez, comme d'hab on vient le bout de carton relou. Retient tout à l'intérieur. Voilà, quand même. Donc, comme d'habitude, on a un livret avec les règles du jeu. Du coup, a priori, il est le plus à jour possible, enfin, ou du moins à peu près, vu que c'est avec les monstres liens. Ensuite, nous avons le petit tapis de jeu, qui a l'air sympa. Je vais essayer de vous montrer approximativement. Hop, allez, s'il te plaît. Voilà. Voilà, il a l'air plutôt sympa le tapis de jeu. Et du coup, on est parti pour s'ouvrir le deck avec en première carte un encodeur bavard. Ça me parle. Alors, attendez, est-ce qu'il n'y a pas une étiquette, enfin une languette plutôt pour ouvrir ça. Je me souviens jamais. Bon, c'est pas grave, on va faire par le haut. Avec le cutter. Voilà. Allez. Là, actuellement, on est le 1er juillet. Je crois, dans le mois, il y a un nouveau deck qui va sortir encore. Je pense que je le prendrai et que du coup je l'ouvrirai en vidéo. Alors voyons voir ce qu'est-ce qu'on a de beau dans ce deck. Donc ultra rare, on a l'encodeur bavard. Ok, un sorcier triporte en ultra rare aussi. Une deuxième carte link, une troisième carte link sorcier binaire, sorcière binaire pardon, en super rare. Ensuite un double Assomwourm en super rare. Sinnott porte dérobée en super rare. Et ensuite, on finit sur toutes les cartes communes. Donc on a Digitron, Poinçagiste, ok, vraiment spécial, Clinsect, Lien Retourneur, Seigneur Répartiteur, Nuageuse Rome, Serfaré de démarrage, Sorcier Cybers, Secrétaire de sauvegarde, Réanimateur de données, Commandant Lanceur, ah, Tragoédia, ok. Prêtre Invocateur, celui-là je l'ai eu dans un deck il n'y a pas longtemps, un petit soldat de cartes. Dragon des ruines, ok. Un mathématicien, Grugru, un petit magicien de la foi. Tiens, un bouffon équilibriste, bulbe luisant, chalunaire quinca, et après on passe sur les magies pièges, avec une charge de lame, renaissance du mélange, RDD réincarnation d'une dimension différente, un petit sarcophage doré, contrôle mental, un cyclone cosmique, bouclier miroir de la lune, où fais-tu? Ok. Ensuite, les cartes pièges, on a Recodage Vivant, Lueur du Miracle, Puissante Renaissance, Retour Prématuré, Marée Miroitant et Chat Quantique, ainsi qu'une force de miroir violente, Barrière Dimensionnelle, Fantôme du Passé, et voilà. Et ensuite, on a la petite carte qui fait la promo de Duel Links qui est dispo sur téléphone et sur PC. Voilà, donc un petit deck plutôt sympa, je trouve.
Ça nous fait 3 cartes liens en plus. C'est toujours cool. Et puis il y a d'autres cartes sympas aussi dans le deck, hein, sarcophage d'oreille, magicien de la foi, des trucs comme ça. Enfin voilà, donc c'est cette petite vidéo d'ouverture de deck qui vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner, à mettre un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, peut-être Yu-Gi-Oh! Ou d'autres choses, je verrai. Sur ce, à la prochaine.